and that's true. And I'm saying don't you tell, I'm saying don't you tell. XLCC Emily, XLCC Emily. Je parle avec Sierra, je parle avec Sierra. Jeu numéro 1 avec les rouleaux des fruits. J'ai reçu première place, donc je reçois 4 points. Nicole a reçu deuxième place, elle reçoit 3 points. Sierra a reçu troisième place, elle reçoit 2 points. Et finalement, Emily a reçu dernière place, elle reçoit 1 point. Wouhou! 4, 3, 2, 1. Alors, pour les Olympiques quarantaine, on a 10 mots de vocabulaire. On a une gagnante, ligne de départ, les anneaux, le bowling, un trophée, une médaille d'or, une course, les Olympiques, les sports olympiques, un tableau d'affichage et dernièrement une équipe. Alors, pour ce jeu de vocab, on va tourner avec les yeux fermés comme ça. On va choisir un. Donc, j'ai reçu les anneaux, puis je vais aller là-bas. Aussi vite que possible, je vais épeler le mot « les anneaux ». Donc, F, E, S, A, et je continue comme ça. Et on veut faire aussi vite que possible. On est prêt. Le bowling. F, E, B, B, O, tu peux faire. Okay, let's get them off.
question. Round 2. Sierra a éliminé parce qu'elle a pris le plus long temps. Donc c'est juste lui 3. Je commence. Un trophée. Un trophée. Nicole est éliminée, c'est juste moi et Emily. Je commence maintenant. Minefield, nous avons les bandeaux, blindfolds. Je vais essayer de traverser sans frapper les objets parce que je vais perdre les points. Je vais faire mon mieux. Donc, maintenant c'est mon tour. On y va? Ok, maintenant c'est mon tour. Alors, je vais commencer. C'est mon tour. For our second game, Shonda Min, I kicked down one object, Melissa kicked down 3, Sierra kicked down 6, and Nicole kicked down 9. So I receive 4 points, Melissa receives 3 points, Sierra receives 2 points, and Nicole receives 1 point.
Third game, toilet paper bowling. Alors, chacun de nous va lancer le papier hygiénique et on va essayer de faire tomber les bouteilles d'eau. 3, 2, mon tour, 3, 2, oh. Yeah. Mon tour, ok, 3, 2, 1. La même montant de points, donc c'est le rond de rédemption. 3, 2, alors 3, 2, alors j'ai gagné en toilet paper bowling. Alors je reçois 4 points. Sierra a reçu à deuxième place et elle reçoit 3 points. Melissa a reçu troisième place et elle reçoit 2 points. Et Emily a reçu dernière place, alors elle reçoit 1 point. 4, 3, 2, aujourd'hui, pour notre bricolage d'Olympique quarantaine, nous allons créer une médaille d'or, une médaille de bronze et une médaille d'argent. Donc, on a besoin de 3 assiettes, des petites assiettes comme ça, du ruban, des marqueurs noirs, un perforateur et 3 pinceaux avec de la peinture d'argent, de la peinture d'or et de la peinture de bronze. Première étape. Donc, on va prendre la peinture d'or. On va le mettre sur une assiette. Pour notre deuxième assiette, on va utiliser l'argent, peinture d'argent. Troisièmement, on va utiliser la peinture de bronze. Voilà, et on va les laisser sécher pendant quelques minutes.
prochaine étape, c'est de mettre des trous en haut de chaque assiette. Quand on a les trois trous, on va mettre du ruban. Voilà, c'est pour la troisième place. Deuxième place. Et voilà, première place. Nous avons nos trois médailles. Et première place! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, pour l'étape des Jeux olympiques, on va créer des anneaux olympiques avec des fruits et une trompette. Alors, pour commencer, ce que vous avez besoin est des fruits qui correspondent aux couleurs des anneaux. Et aujourd'hui, j'ai choisi des mûres pour la couleur noire, des fraises pour la couleur rouge. Pour vert, j'ai choisi les raisins. Des bleus pour bleu et finalement pour jaune, une banane. Et pour les ingrédients pour la trompette, on a besoin la yogourt grec, le miel, l'extrait de vanille, la cannelle et le cacao. Pour une bricole amusante, tu peux créer les anneaux comme j'ai fait en avant, mais je vais commencer maintenant avec des fruits. Alors, je pense que je vais commencer avec des raisins. Et assurez que tu as lavé tous tes fruits avant de manger, ok? Une demi-tasse de la yogourt grec. Une cuillère à soupe de cacao. Une cuillère à soupe de miel. Encore de cuillère à café de l'extra vanille. Et finalement, une pince de la cannelle. Maintenant, mélangez tous ensemble.
Et voilà. C'est maintenant le temps de goûter. Je suggère de faire à la maison. Ok, je vais mettre une carte compétition de playing. Ok, est-ce qu'on est prêt? Oui, oui. Oui. 3, 2, 1, allez. Notre point challenge. J'ai gagné, donc je reçois 4 points, Nicole reçoit 3 points, Melissa reçoit 2 points et Sierra reçoit 1 point. 4, 3, 2, 1. Bonjour! Bonjour! Aujourd'hui, pour les Olympiques 40, we'll be doing various sports actions. Êtes-vous prête? Oui! On y va! Ok, donc on commence avec les bicyclettes, bicycle kicks. On peut agiter les bras, oui. Avec la musique. Oh. Ok, on marche, on nage. Oh, on nage. On nage. Avec les bras. Et les pieds. Oh, bien fait!
hats in. Okay, come here, you out there. Okay, okay, come stop. Come stop. Yes. We open. They still turn now. High jump. How high can you jump? Oh, so. Oh, so. Oh. Oh. High you can. Higher. Higher. Oh. Okay, bravo. We now open the planche à neige. Fait comme ça. Et on tourne. On tourne. Je reçois 4 points, puis Sierra 3 points, puis Nicole 2 points, puis Emily 1 point. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre segment de Nicole avec Sierra. Aujourd'hui, on va créer des bracelets olympiques. Tout ce que tu as besoin, c'est un papier en forme du carré et du ruban. Pour commencer, on va plier notre papier carré en demi comme un triangle. Tu peux utiliser n'importe quelle couleur que tu veux,
mais je vais utiliser jaune parce que c'est une couleur olympique. Puis, tu vas faire la même chose de l'autre façon. OK? J'ai pas bien plié un papier. OK. Et maintenant, on va tourner encore et plier pour qu'il y ait un peu de la blanc comme ça. OK? Et on va plier encore. Juste comme ça. Et maintenant, on va retourner et on va commencer à plier comme ça. On va rouler le papier jusqu'à quand on a une ligne. Je vais te montrer quand on l'a fait. OK. Et on va continuer à retourner le papier comme ça jusqu'à quand c'est à la pointe en haut. Okay. Et maintenant, on va utiliser un petit peu de ruban pour attacher les points à le bracelet. Comme ça. Et oh non, tu ne fais pas ça. Ok, et sur l'autre côté, comme ça. Et l'étape finale est de créer un bracelet. Donc, tu vas mettre. C'est peut-être plus facile si tu as de l'aide d'un ami ou un parent, mais on va créer la forme d'un bracelet autour de nos mains. Et voilà, c'est un bracelet olympique. Alors, pour jeu numéro 6, on va souffler la balle à travers les tasses et je vais commencer la minute 10. On doit faire aussi vite que possible. Je commence. Maintenant! Quatre secondes. 3, 2, 1, allez! Single take.
les balles, j'ai gagné, je reçois 4 points, puis Cecilia avec 3 points, puis Emily avec 2 points, puis Nicole avec 1. C'est temps pour une autre expérience scientifique. Aujourd'hui, on va créer un torch olympique et on va utiliser le statique électrique pour créer l'effet d'un flamme. OK? On a besoin du carton, du colle blanc, un ballon, des ciseaux et du papier de soie. Donc, pour commencer, j'ai déjà fait cette étape, mais tu dois couper du carton pour créer la figure d'une torche, comme ça. Et puis, on va couper notre papier du soir et créer des flammes, OK? Maintenant, je vais couper un petit peu de la couleur rouge. Et tu veux qu'il y ait des différentes tailles des flammes. Et maintenant, du jaune. OK. Maintenant, on va coller les flammes à la torche. Donc, je vais commencer avec le jaune. OK. Donc, maintenant, on a les flammes. Et ça c'est la partie scientifique de l'expérience. Donc, on va gonfler un ballon et on va bouger contre les cheveux. Et puis, ça va créer du statique électrique et on va lever les flammes parce qu'on regarde pour ça maintenant. Et ce n'est pas bon parce que ce n'est pas un torch avec des flammes. Donc, un nœud. Maintenant, je vais mettre ça là. On veut que c'est bien frotté contre les cheveux. Et maintenant, oh, c'est un torch. Regarde ça. Wow! Je vais essayer de frapper Sierra avec mon oreiller et elle va essayer de me frapper. Oh non! Et si je suis frappée en premier, je perds. Mais si je frappe Sierra, je gagne. OK, on va tourner 3 fois quand ça sonne. Oh. 3, 2, 1. Oh! J'ai fait comme 5 jours. Oh. Est-ce qu'on a arrêté? Vous commencez à tourner dans 3 secondes. 3, 2, 1. À tourner en 3 secondes. 3, 2, 1. Commencez à tourner. 3, 2, 1. J'ai eu
première place, donc je reçois 4 points. Nicole a eu 2e place, donc elle reçoit 3 points. M a eu 3e place, donc elle reçoit 2 points. Et Mel a perdu, donc elle reçoit 1 point. Donc, 4, 3, 2 et 1. Bienvenue à notre expérience de science. Aujourd'hui, on va créer les anneaux olympiques cristal. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour faire cela? Tu as besoin de borax, le fil, les coupiques des couleurs des anneaux olympiques, des bâtons, un bol ou un pot et une tasse pour mesurer de l'eau. Pour commencer, on a besoin d'un marmite pour bouillir de l'eau. On a besoin d'assez de l'eau pour faire deux tasses. Ensuite, je vais créer mes anneaux. Alors, couper les coupes en demi. Ensuite, créer un cercle et faire cela pour tous les 5. Voilà, et un anneau. Je n'ai pas de noir, alors j'utilise le violet. Ok, après que tu as fini de créer des anneaux, on a besoin de mesurer une demi-tasse de borax et ajouter dans ta bol. Maintenant, tu as besoin seulement un bâton et tu vas laisser sur le bol comme cela et je vais mettre ça à côté. Je vais couper une petite pièce de fil comme cela, ensuite tailler à l'anneau que tu as créé. Et faire cela avec tous les 5. Ma l'eau a brillé, alors je vais ajouter 2 tasses à le borax dans le bol. Ok, après que ça c'est prêt et tu as taillé tous les fils sur les anneaux, tu vas attacher à le bâton. Voilà, et faire ceci avec les 4 autres. Après que vous avez attaché les 5 anneaux, mettre dans la solution de le borax et de l'eau bouillir. Et laisser ceci pour quelques heures. Et les cristaux vont former. Ok, il y avait quelques heures, alors maintenant je vais vérifier le progrès et tu peux voir les cristaux qui a formé. Est-ce que tu peux voir? Wow! Ok, je vais laisser pour que plus peut former. Maintenant, je vais enlever mes anneaux du solution et je vais arranger un autre des couleurs.
Et voilà. Donc, pour la prochaine jeu, on va essayer de monter avec une tasse de l'eau sur notre front. Si ça tombe, je vais être éliminée. 3, 2, 1... Donc, je suis éliminée. M, tu commences dans 3, 2, 1. Éliminé! Tu commences en 3, 2, 1. Tu commences en 3, 2, 1. OK. Non! Tout le monde a perdu le huitième jeu, donc tout le monde reçoit 0 point, malheureusement. Donc, 0. Maintenant, on va jouer un jeu de vocabulaire nommé tabou. Donc, j'ai un mot en eau et mes deux amis vont essayer de décrire ce mot sans utiliser les trois en bas. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Oui. OK, donc c'est un sport. Tu lances la balle. C'est ton sport favori. Le baseball. Oui. OK, Amélie, celui-ci. C'est pas vraiment un sport avec une balle, c'est avec une corde comme un peu et c'est un sport en... Tire à l'arc! Oui! C'est pas mal. C'est un sport avec une façon très... Le sport préféré de Nico. Oh, le ballon cané? Oui! Trop facile. Les garçons vraiment chauds. OK. Ces joueurs gagnent beaucoup de l'argent pendant la nuit. Locké. Oui! Oui! Alors, c'est comme le bag... Tu frappes oui. Une chose qui n'est pas un bar. Il y a deux personnes pour chaque côté. Le badminton. Oui! Tu joues cette sport. Et on le frappe avec le monde. Tu bats le soccer. Oui. La Tour de France. Oh, la bicyclette. Pas un autre mot pour le bicyclette. La vélo. Non. C'est comme... La cyclée. Oui. La cyclation. Merci. Cyclisme. Le cyclisme. C'était ma prochaine chose. Tiger Woods. Oui, Tiger Woods. Le golf. Oui, le golf. C'est un sport olympique. Non, je ne pense pas. Ils le sont soccer, grands. Le football. Le balle de foot. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un autre mot? Non, il y a 12 personnes sur chaque gazon, chaque équipe, mais en Saskatchewan, il y a parfois 13 joueurs. Le football! Oui! J'ai dit le football! J'ai dit oui, mais j'ai oublié la séquence. Tu l'as. C'est réussi. La prochaine jeu olympique, nous quatre vont créer des avions en papier et voir lequel traverse la plus grande distance. Donc, je vais commencer. Donc, voilà le mien. OK, maintenant c'est mon tour pour créer mon avion en papier. Alors, je vais commencer. Bienvenue!
Alors, c'est mon tour. Je vais créer le meilleur avion en papier. Je commence maintenant. Alors, voici le mien. Alors, c'est mon tour de créer un avion en papier magnifique. Donc, parce que je dois gagner. Donc, les enfants, priez pour moi. Ok, je vais commencer. Ok. J'ai fini! Alors, pour jeu numéro 9, c'est maintenant temps pour lancer les avions. Je commence. Hop, hier. Ok. Bonne chance, avion. On va gagner. Wow! Très bien! Wow! On y va! Oh là là! Ok! Troisième place! Alors, Sierra a reçu première place, Melissa deuxième, Emily troisième et Nicole quatrième! Donc, j'ai eu première place, donc je reçois 4 points. Melissa a reçu deuxième place, donc elle reçoit 3 points. Emily a reçu troisième place, donc elle reçoit 2 points. Et Nicole a reçu quatrième place, donc elle reçoit seulement 1 point. 4, 3, 2, et 1. C'est maintenant temps pour le jeu final. On va jouer la crème roulette, ok? Donc, on a des assiettes remplies de la crème fouettée et on va mettre le téléphone sur le rouleau et tourner. Et ça va choisir qui doit être frappé dans le visage avec une crème fouettée, ok? Donc, on y va. Je dois le faire. C'est délicieux. Donc, maintenant, Melissa est éliminée et c'est rond 2. On y va. C'est délicieux. Grand final. Mais, cette fois, on a plus de la crème fouettée. Alors, la personne qui va être frappée va avoir une grande surprise. Donc, on va avoir une compétition de voir qui peut écrire le plus grand montant de mots possible du thème des Olympiques 47. Donc, on y va! 2, 1, allez! Thank you.
la la. Okay, alors j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 7 mots en total. 3, 2, 1, allez. Yeah! Okay! On continue! Come on! Come on! Come on! Ray! Ray! Cerveau! Let's go! Oh mon dieu! Qu'est-ce qui se passe? 5 secondes. 3, 2, 1. J'ai reçu 1, 2, 3. J'ai gagné! For first place, Sierra and I will be having a staring contest. We can't blink and we can't laugh. On commence maintenant. You're not winning this year. You can talk the talk, but can you walk the walk? I could do this all day. J'ai perdu! J'ai gagné! J'ai gagné! Donc, j'ai gagné le tiebreaker entre moi et Melissa. Donc, Melissa reçoit 24 points et je reçois 25 points. Ta-da! Class, second the best. Flavia, class.